Si on reste là sans rien faire, il faut que tu m'aides. Calme-toi et raconte-moi ce qui se passe. Je m'appelle Babar Kizil. Et je suis la victime d'une malédiction terrible et ancienne. Je suis un lycanthrope. Un quoi? Un lycanthrope. Un loup-garou. T'as vu tous ces morts vivants tout autour? Ça paraît très logique qu'il y ait d'autres monstres, non? Nosferatu, la momie, le lycanthrope. Dahlia, la sorcière, dit qu'on peut me guérir avec une potion composée d'ail, d'aconite et d'un soupçon de cannelle. Aide-moi à récupérer tout ça. Et conduis-moi dans un autre abri. Je te paierai très très cher. Pourquoi tu veux aller dans un autre abri? Il y a un survivant ici. Je crois que c'est Hugo. Ils veulent plus de moi ici parce que je suis un peu taré. C'est la pleine lune ce soir. On n'a plus le temps. Ouais, je préfère pas prendre de risques. Je serai plus là. Déjà l'air plus humain. De la racine d'aconite, c'est bien. Passons au dernier ingrédient. Allons-y. Alors, comment t'es devenu le garou? Comme les autres. C'est assez simple. Je vais l'attaquer. Mentalement. Merci beaucoup. Tu as sauvé d'innombrables vies. C'est sûr. C'est pour toi.
Bonne chance. Et fais attention à la lune. Ouais. Chose pour nous. Le moindre truc compte maintenant. Okey-wokey marche mieux. Il y a plein de choses à faire à la tour. Crane, l'homme qui a remis le courant. Tiens, c'est pour toi. Désolé de pas te montrer plus de gratitude, mais je passe une journée de merde, tu vois. Est-ce que je peux t'aider? Oui. Mais il manque l'aval de Brecken. Il dit que c'est trop risqué. Et c'est un truc dont on a besoin? Ouais. Bon, voilà. Brecken dit qu'il faut améliorer la sécurité de nuit. Trop de nocturnes devant nos portes. Pas vrai? Donc, j'ai monté une nouvelle rampe de Projo qui utilise ces grosses ampoules à UV de 10 kW. C'est ma stock. Ça te grille un rapace à plus de 50 mètres. Ah, ce serait carrément dément. Mais les ampoules à UV dont on a besoin sont coincées dans les tours du pont de l'infamie. Le pont? Ah, attends un peu, tu parles du pare-feu de l'infamie? Ah, c'est ça. Les plus grosses lampes à UV de tout l'hémisphère. Alfie, ce système ne marchait pas. C'était un désastre. Ils ont dû finir par détruire le pont. Eh ben, ça aurait marché si le courant avait pas été coupé. Et quand t'as relancé ces sous-stations, les systèmes se sont remis en route. Maintenant, on peut le voir de nuit. Donc il te faut quelqu'un pour trouver les ampoules? Ouais, ouais. Mais voilà, le truc, certaines ont grillé, tu vois. Elles valent rien. Donc, le seul moyen de récupérer les bonnes, c'est d'y aller quand le système est en marche. Encore une sortie de nuit. Ça devrait pas être trop dur d'y entrer. Mais une fois que j'aurai enlevé les ampoules qui fonctionnent... Tu seras sur un pont, plongé dans le noir, et t'auras des problèmes à gérer. Bref. Tu sais quoi? Peut-être que Brecken a raison cette fois. Oublie tout ça. Même si c'est carrément dommage. Viens, toi. Je vais te faire un bon prix. C'est plus simple de communiquer par radio.
cassette avec des insectes. Sur une étagère, ok. Rêve humide, le premier roman destiné au plombier. Punaise. Toutes les astuces pour pécho. Chant de Noël heavy metal. Guide de l'utilisateur pour lecteur DVD. Les blessures thoraciques de A à Z. Comment perdre du poids après 40 ans. Comment créer un masque de tête de cheval. Gros derrière à gogo, super. De la graine à l'assiette, le guide du jardinage pour les feignants. C'est ça. Come on.